Bonjour les amis, comme d'habitude, je partage avec vous mon vécu quotidien et aujourd'hui je vais vous parler d'un gars époustouflant, quelqu'un qui vaut vraiment le détour. Donc, sans perdre trop de temps, allons de l'autre côté de l'écran pour que je vous le présente. Il est époustouflant. Allons-y. Alors, Netflix, la plus grande entreprise de vidéo à la demande par abonnement, a réservé une partie de ses produits gratuitement à tout le monde, sans inscription même. Il s'agit de séries comme Stranger Things, des films pour enfants. Bon, là, je m'arrête. J'arrête là, bien entendu, la vidéo pour vous montrer que, bon, là, c'est un gars qui fait énormément d'applications mobiles. Là, je voulais pas. Vous avez écouté sa voix, il est marrant, il a un accent spécial. Et puis, regardez ici, il est dans grade B-. Ce qui vous paraît peut-être beaucoup pas très intéressant, mais son rang mondial concernant les abonnés, il est classé à travers le monde. Il est classé 141 millième. OK. Et puis, les vidéos, le rang des vidéos vues, il est classé à travers le monde 236 millième. OK. Et ça, c'est la monétisation. Il gagnerait par mois entre 121 dollars et 1900 dollars. C'est pas mal. Donc, ça m'étonne cette B-. Donc, ici, c'est les 30 derniers jours. Il a le nombre des abonnés, c'est 3000. 3000. 3000. Imaginez, pendant un mois, il a 3000. Et puis ici, c'est pendant les 30 derniers jours. Toujours, les vues, c'est 483 000. Et par jour, il reçoit 100 abonnés par jour, en moyenne. Et là, bien entendu, la moyenne en vues par jour, il a moins de 110 000. 110 000, imaginez, il a perdu 110 000 et il est bien entendu à 483 000. Et là, c'est les jours de la journée, les vues de la journée, c'est 14 000. Vous voyez, c'est quand même, il a des trucs à raconter. Ici, vous voyez, là, c'est 1040 vues, 1040 vues en total pour, ça c'est un résumé, les commentaires 31, je pense que c'est pour ça, c'est pour cette vidéo. Rien que pour cette vidéo, c'est 1000, les commentaires, c'est extraordinaire. Les vues, c'est 1000 vues, 40. Pour les commentaires, c'est 31, 83 likes, 2 dislikes. Je sais pas pourquoi ils mettent 2 dislikes. Le gars, il est quand même capable. Bien sûr, ça crée un studio, c'est à l'intérieur, il a zéro, il n'est pas très fort en technique. Et là, dans le score des mots-clés, il n'est pas très fort non plus, il n'a que 50%. Normalement, il doit faire du 100% ou 90% pour vraiment bien se placer au niveau du SEO, du référencement. Là, bon, il y a aucune. Les likes, il a 4 pour cette vidéo. Ça, c'est la chaîne. La chaîne, je sais pas pour combien de temps. Est-ce que c'est le mois? Est-ce que c'est. Je sais pas. Mais c'est 19 millions. 19 millions 500 vues. Ou bien, peut-être que c'est le total. 19 millions, c'est énorme. Et pour les abonnés, c'est 169 000 abonnés, c'est énorme. Voilà, les vidéos, on a dit, c'est 1130. Donc ça, c'est lui. Maintenant, on va montrer quand même l'intérieur de sa chaîne. L'intérieur de sa chaîne, on est sur l'accueil, on va nous mettre sur vidéo, parce que c'est beaucoup plus intéressant. Je vais vous montrer un truc avant. Regardez. J'ai oublié de vous dire un truc, c'est ça. C'est une très bonne application. C'est elle qui donne énormément de statistiques sur votre chaîne, à côté justement, sur le côté droit de vos vidéos, de votre chaîne.
et vous pouvez consulter tous vos chiffres pour essayer de voir là où vous n'êtes pas très fort pour quand même essayer de réagir pour vous placer mieux que d'habitude. OK? Alors, là, regardez, ça c'est les vues par jour. On est à 15 000 un jour. 15 000 par jour, 15 400, 16 500, 16 800, etc., etc. Et c'est boum! Il tombe à zéro. Non, 38. Et puis là, il y a un pic, un tout petit pic, pouc, à 12 900. Et puis là, pouc, il est à rien, presque, sans, à rien, lui, 129, c'est rien. Voilà, 125, c'est rien. Et puis il monte. Ben, c'est normal. Là, vous pouvez lire sur ces graphiques ici, parce que là, on est le 30 décembre. Donc, le 30 décembre, c'est la fin de l'année. Et là, c'est la reprise. C'est janvier, le 3 janvier. Voilà. Donc, c'est la reprise. C'est pour ça que ça a monté. Mais entre-temps, le premier, je pense que c'est pendant la nuit, ou bien le jour, il est allé faire un tour sur sa chaîne. Il a 12 900 vues. Vous voyez? C'est pas mal comme truc là, ce Social Blade. C'est vraiment pas mal. Et là, il donne toujours des statistiques. Et là, nous arrivons sur ces 1130, je pense, quelque chose comme ça. Je reviens à vidéo, comme ça, voilà. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de savoir comment YouTube fonctionne, l'accueil, il vous donne juste un aperçu, pas plus, juste un aperçu sur quelques vidéos en ligne, voilà. Bien sûr, ça va chercher encore un peu plus loin, mais c'est pas énorme comme présentation de tout ce qu'il fait. Ça, c'est les vidéos populaires. Voilà. Ça, c'est les playlists créées. Les playlists, c'est des dossiers où il met énormément de. Là, par exemple, ici, il a là-dedans, il a 3 vidéos. Et c'est sur Telegram. Telegram, c'est une application comme WhatsApp. Je pense qu'il est mieux que WhatsApp. Là, c'est Messenger, il a 2 vidéos sur Messenger. Là, il a gagné de l'argent en ligne, c'est 3 vidéos, ici 2 vidéos, ici c'est 6 vidéos sur Android, pardon, tout ça. Donc, il faut. Et puis, vous avez les vidéos, vous avez les playlists, communauté, chaîne, à propos. Donc, je vais jeter un coup d'œil sur ces vidéos-là. Les vidéos, toutes les vidéos sont là, hein. Alors là, vous pouvez parcourir ça pendant très très longtemps. Hein. Voilà. Vous voyez? Regardez. Vous risquez de ne pas chômer. Lui non plus, il ne chante pas. Mais il vous donne quand même. Il vous fait essouffler si vous essayez de le suivre. Lui, il fait des vidéos, il cherche des secrets sur mobile et il va plus vite que les gens qui le regardent. OK? Qui regardent ses vidéos. Alors, bon, voilà, vous pouvez ouvrir n'importe quelle application, je sais pas. Alors, quoi, j'ai regardé énormément celui-là, c'est Gad Elmaleh, Kanal Malek, Kanal Malek. Je l'aime bien, il est très sympa. Alors là, bon, Win 10, comment avoir des thèmes animés splendides. Alors là, bon, c'est une vidéo, bon, Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir des fonds d'écran dynamiques splendides sur votre ordinateur sur Windows 10. C'est le matin, le soir. Pour plus de détails, on se rencontre juste après la petite pause. Bon, voilà, c'est seulement un aperçu de ce qu'il fait. Et je reviens à mes vidéos. Et puis, il y a la playlist. La playlist, je vous l'ai expliqué, c'est des dossiers qui regroupent un certain nombre de vidéos par thème. Telegram, Messenger, gagne d'argent, sécurité, Android, etc., etc., etc.
Et puis moi, je suis même pas abonné chez lui pour voir. Ok, voilà. Donc ça, c'est garder le Kamal Malik. je vous jure que je ne le fais pas exprès. Alors Kamal Malik, on revient au début. Parce que là, je suis en train de vous parler de Kamal Malik, mais je vais vous parler d'autre chose. Parce que moi, j'ai créé une communauté des gens qui n'ont pas encore atteint leur 1000e abonné. Les gens qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, ils rêvent d'arriver à cette limite. Parce que au-delà des 1000 abonnés, les choses sont beaucoup plus faciles pour eux. Donc ils peuvent avoir plus d'abonnés que avant, et vraiment on souffre avant d'avoir son 1000e abonné. Moi, j'ai créé cette communauté où je rassemble tout le monde, il y a vraiment un peu de tout. Il y a des gens qui aiment la musique, il y a des médecins, il y a des gens qui sont dans le sport, il y a des gens, même les gamers, il y a ceux qui s'intéressent à la cuisine, c'est énorme. Moi, j'ai rassemblé déjà un certain nombre de gens et je les ai classés par thème, bien entendu. Et je les tiens au courant de tout ce que je fais. Je garde toujours le contact avec tout le monde. Chacun, quelqu'un s'adresse à moi, je lui réponds. Et les gens sont vraiment très très. C'est pas pour me faire redorer le blason, mais je vous assure que ça me fait énormément plaisir parce que les gens. J'ai senti que les gens m'aiment parce que bon, moi de mon côté aussi, j'envoie énormément de choses. Et puis ça les intéresse, franchement ça les intéresse. Moi j'ai 72 ans aujourd'hui, et bien entendu j'ai passé énormément de temps dans la publicité, dans l'édition, dans la bande dessinée, dans la caricature, il y a beaucoup de choses, même dans le web marketing, le consulting et tout ça. Et bien entendu, tout ce que je leur raconte, bon, c'est toujours, ils apprennent toujours quelque chose. C'est ce que je vous conseille de faire. Chacun de vous est capable de parler de ce qu'il sait faire. Et sachez que il y a, à travers le monde, il y a énormément, il y a des millions de gens qui aimeraient bien vous entendre parler parce que vous leur apportez quelque chose dont ils n'ont jamais entendu. Donc, vous avez votre public, mais il faut aller le chercher, il faut travailler, il faut sortir beaucoup de vidéos et tout ça. Donc, alors, moi, je suis au stade, bien entendu, moi, je travaille et je suis au stade de créer, de constituer une très belle communauté. J'ai déjà commencé, on est déjà opérationnel, nous avons déjà une liste, et puis dans la liste, les gens, ils se contactent entre eux pour échanger leur abonnement. Comme ça, y a pas de problème. On parle beaucoup des abonnements qui foirent, de pourquoi les gens s'abonnent et se retirent. Mais dans cette communauté, on est quand même dans un endroit où beaucoup de gens ont souffert du manquement des autres à leur égard parce qu'ils abandonnent. Donc là, au moins, bon, les gens sont beaucoup plus sérieux. Et moi, je le sens à travers leurs messages qu'ils m'envoient chaque jour. Ok. Donc, je vais vous laisser le lien, les deux liens, le lien pour Kamal Malik et le lien pour la communauté des moins de 1000 abonnés. Alors, vous allez dans le lien, vous prenez le lien qui vous plaît et voilà, vous êtes bien entendu bienvenue aussi bien chez Kamal Malik ou chez notre communauté. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a quand même servi à quelque chose, cette vidéo. Et à la prochaine pour un autre sujet. Bye bye.